petit Pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga La Mélancolie de Sumire, qui est un manga en 2 tomes des éditions Soleil. Nous sommes bien entendu sur un shoujo âge conseillé 12 ans et plus. Le manga date de 2002 au Japon et de 2008 en France. Nous sommes dans le genre romance étrange vie. Pour ce qui est du mangaka, je te mets son nom ici et c'est l'auteur du manga C'était nous. Je sais pas si toi tu connais, mais il a été quand même assez connu un temps et je compte le lire prochainement, assez rapidement quand même, pour pouvoir me faire un bilan mangaka ou en tout cas me faire un avis sur les 2 œuvres de l'auteur, tant que mon avis sur celui-là est frais. Donc en ce qui concerne mon avis sur les dessins, personnellement je les ai trouvés assez simples, mais en même temps ils s'accordent parfaitement à l'histoire, qui est simple, sans prise de tête, pas très recherchée au niveau du sujet certes, mais elle est mignonne, elle est douce, elle est attachante aussi. Donc en fait je trouve que l'histoire et le dessin sont à la fusionnent à la perfection, et ça je trouve ça génial. Parce que des fois le dessin est trop haut level par rapport à la qualité de l'histoire, ou inverse. Donc là je trouve que l'harmonie est parfaite. En ce qui concerne l'histoire, du coup, je l'ai adoré. Donc 2 volumes, c'est parfait. J'aurais pas dit non à un 3e petit volume, c'est sûr, mais 2 tomes c'est parfait. L'auteur a respecté le caractère de ses personnages jusqu'à la dernière page. La fin est géniale, elle est parfaite pour moi. Donc je n'ai vraiment rien à reprocher à cette œuvre, à part qu'elle est stoppée. Mais bon, ça c'est plus les éditions Soleil que l'auteur en soi qui est coupable. Mais en tout cas c'est une histoire que j'adore. 2 tomes, voilà, si tu le trouves en occasion comme moi, je crois que je l'ai eu à 2 € ou 4 €, peu importe. C'est largement correct par rapport à l'histoire. Même en fait finalement, même 6,95 € comme je vois derrière, ça vaut son prix. Bon, voilà, je préférerais quand même le payer 5 € plutôt que 6,95 € par rapport au rapport qualité, image, etc., histoire et autres. Mais c'est quand même un manga que j'aime, c'est un manga que je conseille, c'est un manga que j'aimerais revoir au niveau de la phrase sur certains sites. Commercialisation stoppée, je voudrais voir commercialisation ok ou oui, comme il y a sur certains sites. Mais bon, ça voilà, mon petit coup de gueule, en gros mon petit message. Donc en ce qui concerne les couvertures, en ce qui concerne l'avant, bah, je l'adore, je trouve juste ça trop mignon. Bien que j'ai une préférence pour la couverture 1 que la couverture 2, mais ça après c'est vraiment du détail. J'aime bien aussi, voilà, la petite vague, les petites fleurs par-dessus, je trouve ça plutôt sympa. En ce qui concerne l'arrière, il reste soft, mais super agréable, super doux, je trouve. En même temps, ça vise aussi un public jeune, donc je trouve ça correct par rapport à un public jeune. Enfin, voilà, c'est mon avis, mais moi j'aime. En ce qui concerne l'arrière pour le volume 2, donc désolé, je n'ai pas encore enlevé mon autocollant de Book Off. Donc pareil, je l'adore. Donc on va retrouver du coup les 2 personnages principaux de l'histoire. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc pour ce qui est de l'intérieur, on va avoir juste un tout petit truc très soft. Donc on va avoir 3 fleurs, ou 3-4, qui sont très 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 peu. Il y en a une qui est très très peu visible. L'arrière aussi très léger. Je trouve ça génial parce que ça reste avec le thème de l'histoire, ça reste avec la délicatesse, j'ai envie de dire, de cette histoire. En ce qui concerne le tome 2, bah bien entendu, c'est la même. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me rejoindre un peu partout histoire de suivre toute mon actualité côté manga, mes derniers achats, les vidéos que j'ai filmées le jour même, les dernières vidéos postées, etc., etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve rapidement pour la présentation du manga C'était nous. Sur ce, bye bye !